Vous saluez tous dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette grâce et merci pour cette rencontre. Nous voulons te rendre toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, que je prie. Amen. Dans mon sac, là, il y a la vie. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà, vous êtes au cabinet d'écoute de délivrance. Nous sommes en train de... Vous savez que c'est une nouvelle année. C'est pas aussi facile pour nous. Parce qu'on s'est trop donné. Non, cherche mon visage, je te dis. Cherche. Tu marches avec, tu cherches. Tu cherches le visage. Non. Fais de toi ce qu'il y a des gens, tu cherches le visage. Nous avons tellement travaillé cette année. Mets-toi là, devant. C'est pas aussi facile. Parce que nous sommes en train de nous organiser pendant assez de temps. Vous savez, hier, quand j'ai fini la prière, je suis resté à la maison. Parce qu'il faut que je organise aussi, moi aussi, mon plan du temps. C'est important. Il faudrait que j'aille du temps pour ma maison. Et ça, c'est souvent un peu le rôle des hommes de Dieu. On met tout l'accent sur le ministère. Au moment de faire qu'oublier la maison, c'est dangereux. Voilà, c'est dangereux. Je suis en train de m'organiser. J'ai le temps pour le Seigneur et j'ai le temps pour ma maison. Voilà. Donc, il faudrait que j'aie un peu de temps pour le Seigneur. Pas un peu de temps, je sais, le Seigneur. Et que j'ai aussi du temps pour ma maison. Donc, aujourd'hui, nous allons prendre le temps de vous écouter. Mais disons que cette soirée, c'est une soirée de délivrance. C'est une nouvelle année. Par la grâce de Dieu, on a essayé de tout maintenant d'élaborer des programmes que nous allons respecter. Par la grâce de Dieu. Je pense que vous avez bien dormi. Amen. Ici, on dort bien. Quand tu viens ici, les sorciers sont obligés de faire stop. Amen. Souvent, les gens disent quand je me couche, quand je suis parti, mais quel sorcier va m'emmerder? C'est quand les sorciers t'emmerdent, quand tu te couches, tu es obligé de partir. Amen. Voilà, donc que Dieu bénisse. Et dès que vous êtes ici, quand j'ai un problème, ça risque une difficulté, que vous êtes peut-être mal logé, que vous ne vous sentez pas à l'aise quelque part, veuillez signaler ça au secrétariat. Si vous venez ici, qu'il y a des gens qui vous draguent, ça peut arriver. On vous emmerde un peu. Non, ça peut arriver. Signalez ça rapidement. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Signalez rapidement. Ça peut être quelqu'un qui, peut-être votre mari, peut-être. Mais vous n'êtes pas venu ici pour qu'on vous drague. Vous êtes venu ici pour être délivré. Donc si vous constatez qu'il y a quelqu'un qui vous emmerde, qui est en train de vous draguer, qui tourne autour de vous, directement signalez ça. Voilà, vous n'êtes pas qu'il demande d'apprendre des choses bizarres. Vous êtes ici pour que Dieu vous protège. Vous venez ici pour que Dieu vous délivre. Vous êtes ici pour que Dieu vous bénisse. Si tu ne sais pas pourquoi tu es ici, il sera difficile pour Dieu lui-même de te délivrer. Parce que quand tu viens ici, quand quelqu'un commence à te draguer, peut-être, ça peut arriver. Et que toi, tu dis, tu t'en fous, que tu te donnes à cette personne, sans connaître la personne, c'est que toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux. C'est que tu ne sais pas ce que tu veux. Donc, quand on est ici, on vient chercher Dieu. Et il y a des conditions. Dieu, là. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Ah, ça va, je suis arrivé. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est comme est le cœur que Dieu se laisse trouver. Amen. C'est comme est le cœur que Dieu se laisse trouver. Et quand on ne cherche pas Dieu avec le cœur sincère, il est vraiment difficile que Dieu se révèle à chacun. Amen. Voilà, donc que Dieu bénisse. Ce soir, il y aura une délivrance. C'est un ministère de prophètes. Ne pensez pas que comme le prophète vous a vu, il n'a rien dit qu'il n'y a rien. Toi, tu as un problème de sorcellerie très grave. Il faut qu'on parle de l'exemple. Il y a quelque chose dans elle comme sorcellerie. Il faut qu'on arrête ça. Ça fait deux fois que je dis ça. Hier, quand je parlais, je dis, ça va? Ça va, petit? Ça va? Est-ce que depuis la dernière fois, elle continue... Quoi c'est passé? Elle est vie avec un esprit. Viens avec ça. Elle a vécu. Et ça a pu, ça a pu, mais justement, c'est ça qu'il faut l'envoyer ici. Elle a vécu. Elle est vécu à l'église. Face à la vérité, la vérité. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Faut parler. Qu'est-ce que tu as? Ça n'a pas peur, ça veut. C'est ça, c'est ça.
C'est un fourmi. C'est rouge. Lui aussi, il a comme ça. Quel lui aussi? Mouche. Il y a mouche où? Dans ma poitrine. Il est dans ta poitrine. Il vit comment? Non, mais il est où? Comment il est venu dans ta poitrine? C'est pas avec ta tête. Hein? Pas avec ta tête, c'est pas avec ta tête. Ah, ton camarade t'a mordu. Mmh. Comment il a fait? Il m'a mordu ici. Quel bras? Le gauche ou le droit? Le bras gauche. Par ici. Et pourquoi il t'a mordu? Il m'a donné plein. Il t'a donné le pain. Mais c'est toi qui as donné le pain. Il m'a donné le pain. Lui t'a donné son pain. Il ne voulait pas me donner ma mordue. C'est ça, il m'a mordu et puis je lui ai donné. Il a fait quoi? C'est ça, il m'a mordu et puis je lui ai donné. Est-ce que vous avez saisi? Il ne voulait pas lui donner, il n'a pas compris. Il ne voulait pas lui donner. Je ne voulais pas lui donner, c'est ça, il m'a mordu. Ah, d'accord, toi tu avais le pain, tu ne voulais pas lui donner, puis lui t'a mordu. Et quand il t'a mordu, après ça, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé en toi. Comme quoi? Comme quoi? Elle, c'est ça, c'est vraiment Mouche là est venue. Comment elle est rentrée, non? Elle dit, elle vit avec un. Mouche en elle. Et mouche là, tu dis quoi? Il m'a dit de faire quand il me parle, Depuis la dernière fois qu'on a rendu visite, la suite, on voulait entendre un peu. Parce qu'on voulait qu'elle vienne ici pour être délivrée, mais il y avait un voyage qui était prévu sur le mois, c'est ça? Donc, vous n'avez pas eu le temps. Mais depuis la dernière fois. Depuis la dernière fois, elle m'a dit comme ça, c'est elle-même qui parle. Elle dit que quand. La mouche lui parle, elle ne sait plus, elle bouche les oreilles. Et avant qu'on ne vienne ici, parce qu'on ne lui a pas dit qu'on venait. On peut éteindre le portable, s'il vous plaît, c'est possible? Oui. S'il vous plaît. On ne lui a pas dit qu'on venait ici. Elle est venue me dire avant-hier que la mouche lui a dit qu'elle veut prendre une décision, qu'elle veut donner sa vie à Jésus. Mouche. Sinon, elle va mourir. Mouche. Je dis, bon, Jésus n'a pas besoin de vous. Ok, elle sera délivrée. Et toi? Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Tu parles pas français? Qui parle baoulé comme elle? Hein? D'abord! On dit ta. On t'a dit mon la famille de même. Oui, qu'est-ce que tu as? Je m'a poussé, je ne sais pas. Je veux vomir, mais je ne sais pas vomir. Vomir quoi? C'est qui dans la viande. Viande de l'homme. Mm-hmm. On t'a donné un sorcellerie. On m'a donné ça en fait. Tu sais un sorcellerie? Come!
Yeah.
tête. Voilà, cherche la tête que je prends dessus. Ne fais pas. Ça va? Qu'est-ce que tu as? Rien. Tu vis quel problème? Tirer le sol. Il y a quoi? Qu'est-ce que ta fille a eu? Depuis ça fait quoi, combien d'âge? Viens, viens devant ici. Qu'est-ce qu'elle a? Elle fait une dépression. Ça fait 3 ans que ça dure. Vas-y, parle fort. Elle a quel âge? Elle avait quel âge quand elle avait ça? 12 ans. Elle voit des trucs, elle attend des voix, elle pleure, elle dit jour, dit nuit, sans dormir, sans boire, elle chante, elle parle en langue, elle danse, elle a du corps, je vis ça, son âme dans une thermitière, ouais, elle dit là, elle est vomie, mettez-la dehors, voilà, va vomir, va vomir, voilà, je m'occupe des autres. C'est le jour de ta défense au nom de Jésus. Et c'est venu comment? Lâchez son âme. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oui. Lâchez-la. Tu es là, manifeste-toi et pars au nom de Jésus. Lâchez son âme. C'est un ordre. Vous entendez? Je détruis cette termitière et je libère son âme. Au nom de Jésus. Je libère ton âme. Je libère ton âme au nom de Jésus de Nazareth. Je libère ton âme au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Je libère ton âme au nom de Jésus. Je libère ton âme. Oui, dans le nom de Jésus. Amen. Je libère son âme. Je proclame sa délivrance maintenant. Vous la libérez par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Vous libérez maintenant son âme au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça vous va? Hé, hey, sa maman, elle est où la vieille? Faites-la entrer, faites-la entrer. Comment?
lâchez sa conscience et son subconscient. Je proclame maintenant sa délivrance dans le nom de Jésus. Je proclame ta délivrance maintenant dans le nom de Jésus. Oui, lâchez son âme. Vous libérez son âme maintenant par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Comment ? Allez ! Comment ? Lâchez son âme. Lâchez son âme. Lâchez son âme. Vous libérez son âme maintenant. C'est un ordre. C'est à cause d'elle que Jésus-Christ a monté la croix. Vous libérez son âme maintenant. Vous libérez son âme. C'est un ordre. Lâchez-la. Allez! Attendez-nous. Tu reconnaîtras la souveraineté, la puissance de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur. Cette vie appartient à Jésus. Cette vie appartient à Jésus. Je libère son âme. Oui, quitte son corps. Quitte. Quitte son corps. Quitte son cœur. Lâche sa conscience de son subconscient. Lâche sa conscience de son subconscient. La puissance de Jésus-Christ de Nazareth est libérée. La puissance de Jésus. Jésus libère ton âme. Et Jésus te délivre maintenant. Sa puissance 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 te libère. La puissance de Jésus te libère. Elle te libère maintenant. Tu vas libérer son âme. Lâchez-la au nom de Jésus. Vous m'entendez? Vous libérez son âme. Vous libérez son âme. Vous allez libérer ce corps. Vous m'attendez? Vous allez lâcher son âme dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez-y. Lâchez son âme. Lâchez son âme. Lâchez son âme. Lâchez-le. Au nom de Jésus. Le feu sur vous. Le feu du Saint-Esprit consume vos œuvres dans ce corps. La puissance de Dieu vous délogue. La puissance de Dieu détruit vos œuvres dans ce corps. Je nettoie vos pouvoirs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâchez son âme. Non, non, doucement avec la vie, doucement. Oh, doucement là, mettez-la là. Parlez doucement avec elle, ok? Ok? Quand tu étais ancien sorcier, tu dis à l'écouter de quoi? Allez doucement. Voilà. Oh, oh, prends le soin d'enlever ce qui est elle, les vomissures là. Les filles elles sont là, et l'autre, elle est où? Comment? Comment? Tu vas libérer sa vie, tu vas libérer son âme. La puissance de Jésus, la puissance de Jésus, la conscience, ton subconscient, la puissance de Jésus, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Jésus, la puissance de Jésus, la puissance de Jésus. Te libère, au nom de Jésus. Tais-toi. Comment t'appelles? Parle fort, tout ton nom c'est quoi? Tu peux ouvrir Marie-Lieu. Et ta mère, comment s'appelle?
Dis-moi Patricia. Hein? Dis-moi Patricia. Elle avait dit aussi. Et pourquoi elle a dit Dibé? Hein? C'est comme ça. Ça ne s'explique pas. Comment? Je libère ton âme au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soulève ton bras droit. Soulève ton bras gauche. Ton pied gauche est où? Ton pied gauche. Ton bras, ton pied droit. Ça c'est quelle couleur? Jaune. Hein? Jaune. Ça c'est quelle couleur? Blanc. Ça c'est quelle couleur? Marron. Marron. Bien. Vas-y, je suis en train de faire quelque chose avec toi. Donc tu filmes là. Après tu refumes là ce qu'on est en train de dire. C'est comme ça. Hein, c'est comment? Joël Crasso. Joël. Et toi là ton nom? Dubé Audrey. Dubé Audrey. Qu'est-ce que tu as? Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es sûr que tu es guéri? Oui. Qu'est-ce que tu fais dire que tu es guéri? Dieu. Tu es sûr que tu es guéri? Qu'est-ce que te fait dire que tu es guéri? Elle dit qu'elle est guérie. Hein? Comment? Il est pour toi. Qui il est pour toi? Qui il est pour toi? Jésus c'est qui? C'est ton papa. Il est ton papa comment? Où est ta maman? Où il est? Où elle est? Voilà, va jusqu'à avec ta mère. Non, touche ta maman. Qu'est-ce qu'on dit à maman? C'est Dubé Audrey. Dubé. Ça ne s'explique pas. Ok, laisse-la dormir un peu. Va dormir. Hein? Jésus, ça c'est un miracle parfait de Jésus. Dieu m'a beaucoup parlé d'elle. Va, laisse-la la coucher. Va la coucher. Voilà, il n'y a qu'à dormir. Oui, viens. Alors, aujourd'hui, c'est le jour de votre délivrance. Amen. Votre maman a décidé de vous libérer, donc on va vous entendre. Oui, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce qui est dans mon cœur. Ça me fait mal. Je ne sais pas comment. Allez!
feu. Il me vomit tout ça au nom de Jésus. Allez! 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 Eh, mon Seigneur,
Merci mon Seigneur. Merci mon Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, oh merci. C'est votre soeur? Venez, venez. C'est votre soeur? Oh,
mon cœur. Ah, ah, mon cœur. Toi qui habites ce corps, le feu sur toi, feu sur toi, au nom de Jésus. Quel est ton nom? Oui. Quel est ton nom? Feu. Feu. Le feu sur toi. Feu. 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 Allez. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu. 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 Allez. 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 Toi qui as six ciels. Toi qui as six ciels. Libère-la. Je ne vais pas. Je ne vais pas. Tu vas la libérer. Je ne vais pas. Je ne vais pas. La libérer. Je ne vais pas. Ah, je ne vais pas. Oh, laisse-moi, je ne vais pas. Laisse-moi, je ne vais pas. Laisse-moi, je ne vais pas. Fais sur toi. Fais. Oh. Allez, fais. Fais sur toi. Fais. Fais. Allez, fais. Allez, fais. Je ne vais pas. Fais. Fais. Fais sur toi. Fais. Allez, fais. Fais. Fais sur toi. Fais. Fais. Fais sur toi. Tu vas la libérer. Qu'est-ce que tu as détruit dans sa vie? Qu'est-ce que tu as vécu dans sa vie? Ah, laisse la chance là. Ta chance. Oh. Laisse la chance. Feu. Feu, feu, feu. Laisse la chance. Allez, feu. Je ne vais pas au pardon là. Laisse-moi, je ne vais pas. Tu vas la laisser. Il y a quoi même? Il y a quoi que tu veux? Laisse-moi là, laisse-moi. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. C'est un homme. Allons, allons, allons. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Allez. Allez, le feu sur toi. Feu!
feu. Feu sur toi. Feu sur toi. Allez. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Non, sans. Feu sur toi. Non. Feu sur toi. 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 Feu. 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 Où tu as gardé ta chance? Où tu as caché ta chance? Je ne dis pas. Tu vas dire. Non. Où tu as caché sa sens? Oh, où? C'est où? Où tu as caché sa chance? C'est où? Allez, laisse ça. Laisse ça vite. Laisse ça vite. Libère-la maintenant. Le feu sur toi. Feu!